Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 181 et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le meuble que j'ai réalisé la semaine dernière dans l'épisode 180 et je vais essayer de l'améliorer. Je vais changer les pieds, je vais mettre une bordure, c'est parti! Je commence donc par les pieds que j'ai acheté environ 15€ le lot de 4. Et je vais appliquer une couche d'huile de lin pour les protéger et tester le rendu du fini. Rien de bien compliqué ici, un chiffon, l'huile de lin, un truc pour protéger la table et je barbouille mes pieds avec. Maintenant que mes pieds sèchent, je vais pouvoir vider la première version de mon meuble pour tenter de l'améliorer. Je le pose sur mon établi et commence par virer les vis qui retiennent mes deux pseudo-pieds, deux sur le dessus et deux sur le dessous. Deux petits coups de marteau pour libérer les pseudo-pieds de leur point de colle et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Je marque les emplacements des futurs trous pour les tiges filetées et nettoie un peu les résidus de colle et de bois arrachés avec un de mes nouveaux ciseaux à bois. Je vais percer un trou de 8 mm de diamètre et pour éviter les tear-outs, aucune idée du nom en français, je place une plaque sacrificielle en dessous et je perce donc les 4 trous qui vont accueillir chacun un des pieds. Le boulon dépasse clairement de l'autre côté, pas pratique pour ranger des livres ou mes jeux, donc je vais découper 4 morceaux de contreplaqué. Je les découpe avec ma nouvelle scie japonaise fabriquée en Allemagne, mon nouvel outil favori de ma grotte sans aucun doute. Maintenant que mes 4 morceaux sont découpés, je vais pouvoir marquer et percer le trou principal de 8 mm et percer et chanfreiner 4 trous dans chaque morceau pour le visser à la structure. Je centre le morceau à l'aide d'un morceau de tige filetée, rajoute un peu de colle et visse le rajout de contreplaqué en place. Un petit coup de rangement, important d'avoir pas trop de bordel sur son établi pour pouvoir travailler et je réutilise mon morceau de tige filetée avec un boulon pour marquer son emplacement sur le meuble. Le principe ici va être de creuser un espace pour le boulon dans le meuble pour qu'il ne dépasse pas et que les pieds puissent s'y visser. Pour ça, je vais utiliser mes nouveaux ciseaux à bois et soyez sympas, c'est la première fois ou presque que j'utilise ce genre d'outil et c'est diablement efficace. Pas ma spécialité donc, mais au fur et à mesure de l'utilisation, je comprends de mieux en mieux comment utiliser ce nouvel outil. Et surtout qu'il va falloir que je me fabrique un maillet sous peu. Le résultat n'est pas génial, il est passable au mieux, mais ça fait le job comme on dit, et ça me permet de prendre en main ces outils géniaux. En tout cas, les boulons ne dépassent plus, et c'était ça mon objectif. Maintenant que les 4 boulons sont en place, il est temps d'installer les 4 pieds et de voir ce que ça donne. Et c'est moins vilain, en tout cas, et c'est super solide. Étape suivante, renforcer la structure sur sa longueur. Et pour ça, je vais découper 2 tasseaux, un reste d'un projet précédent que je vais visser au milieu de ma grosse boîte. Je découpe donc mes 2 morceaux, préperce, chanfreine et balance une vis dans chaque face. Un rajout qui devrait bien renforcer la structure principale. Maintenant que ma structure est au top, je vais essayer de moins mochifier ça. Le principe ici est de tenter de rajouter une bordure de chêne sur le devant du meuble pour masquer le champ du sapin et donner un peu de profondeur au meuble.
Bon, soyons clairs, pour cette opération, j'ai bien galéré. Déjà, ma baguette de chêne n'avait pas la même épaisseur, elle était bien plus épaisse que mon plateau de sapin, et je n'ai aucun outil sous la main pour réduire de façon fiable cette épaisseur. J'ai donc testé pas mal de méthodes à la main pour tenter de couper des angles plus ou moins à 45 degrés. Et je me suis aperçu très vite qu'entre la théorie et la pratique, il y a une longue courbe d'apprentissage et que je n'en suis qu'au tout début. J'ai un respect tout nouveau pour tous ces gens qui publient des vidéos et qui travaillent le bois. J'ai galéré, mais j'ai beaucoup appris. Et c'était le but de la manip. Et globalement, je m'en sors plus ou moins bien, avec des espaces énormes sur les différents joints, mais je ferai mieux la prochaine fois. Quand toutes les pièces sont plus ou moins à leur place, on passe à l'opération de collage. Et là aussi, un truc semble évident, il faut que j'investisse massivement dans les serre-joints. Deux, c'est clairement pas assez. Je fais ça au fur et à mesure, et au final, utilise du scotch, qui, s'il est utilisé correctement, n'applique pas autant de pression qu'un serre-joint, mais est suffisant pour cette partie décorative et pas critique du meuble. Quelques heures après, dès que la colle est sèche, j'enlève les serre-joints et mes morceaux de scotch et vais pouvoir passer au ponçage. Ici, gros oubli de ma part, je ne l'ai pas connecté à l'aspirateur et je fais un ponçage général sans plus avec un grain de 180. Je ponce légèrement, mais surtout casse tous les angles pour éviter qu'on se nique les doigts. Dernière étape, appliquer mon huile de lin sur tout le meuble avec un chiffon. Officiellement, je suis censé mettre plusieurs couches et poncer entre chaque, mais pour moi, une seule couche massive devrait suffire. L'huile fait ressortir le grain du bois et je trouve le rendu plutôt joli. Par contre, l'odeur, pas chimique, pas vraiment désagréable, mais une odeur forte, on va dire, est peu commune. Ne reste donc plus qu'à remettre le meuble en place et ranger tous les livres et jeux à leur place, avec une deuxième version de mon meuble pour écran switch, qui est pas idéal mais beaucoup mieux je trouve que la version précédente. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? C'est moins pire. C'est pas encore complètement idéal, mais j'ai mis les pieds, j'ai renforcé un peu la structure et j'ai mis une espèce de bandeau de chêne sur le devant. Est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est génial? Non! Mais j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai commencé à me faire la main avec mes ciseaux à bois. J'ai pu aussi faire mes muses avec mon nouvel outil favori, qui est ma scie japonaise, vraiment géniale, diablement efficace. Je suis toujours une super quiche de l'espace, ça change pas, mais je deviens un tout petit peu moins nul. Globalement, le projet m'aura coûté en matériaux à peu près 45 euros, ce qui est un prix plus que correct. Et je trouve que le résultat est franchement pas mal. C'est pas génialissime, mais c'est correct. Et surtout, j'ai appris énormément de choses. Sur la partie de la bande de chaîne, j'ai galéré, mais un point qui est inimaginable. Donc, je vais essayer de continuer dans cette voie-là et d'essayer d'être un peu moins nul dans le travail du bois.
c'est pas gagné. Et je vois déjà tous les menuisiers qui tombent de leur chaise et en hurlant et en se faisant caca dessus, je vais essayer de m'améliorer. En tout cas, pour mes besoins qui sont de mettre mon écran et ma Switch sur le dessus et pouvoir stocker des livres en dessous, c'est franchement pas mal et c'est une grande amélioration. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu es un menuisier, tu as envie de me donner plein de conseils, tu sais très bien comment ça se passe, tu peux me contacter par mail, Twitter, Facebook, Instagram, tu peux laisser des commentaires et surtout tu t'abonnes, parce que peut-être qu'il y aura une version 2, enfin une version 3 de ce meuble, on sait jamais, ou peut-être que je vais faire d'autres projets cool, sympa ou complètement débile. C'est pas génial, c'est pas complètement fini, mais moi ça me va. Et c'est le principe, 45 balles, un meuble, quelques heures, appris plein de choses, commencé à utiliser des outils que je maîtrisais pas vraiment. On est exactement dans ce que j'aime faire. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. À la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.